Salut les gars, c'est une petite vidéo coup de gueule. Là, ça va être assez spécial, c'est pas une vidéo comme d'habitude. Là, ça va être une vidéo où on va parler un peu d'argent, tout ça. Donc voilà, je sais pas trop si j'ai le droit sur YouTube, mais là, ça me concerne de toute façon. Je suis actuellement sous curateur. Et j'ai pas de soucis à ce niveau-là, hein, parce que voilà, normalement, vu qu'elle m'a mis suffisamment de côté pour les fêtes ou quoi, elle peut me donner. Je suis à, même si elle peut pas me donner, j'ai quand même 5. C'est plus de. Allez, j'ai combien réellement sur le compte là? À peu près plus de. Enfin, je vous dis pas réellement combien, parce que voilà, mais j'ai suffisamment, clairement, je vous dis, j'ai suffisamment pour que puisse me passer. Pour que je puisse manger. Parce que là, j'ai absolument rien dans le frigo. Certes, on est deux. Certes, machin. Mais il va pas payer tout le temps, tout le temps, tout le temps les courses. Parce que déjà, il me donne pour le loyer. Déjà, le loyer, il y a les courses dedans. À la base, quand on donne pour le loyer, t'as les courses, t'as l'électricité, t'as tout dedans. Donc, normalement, il devrait pas me donner de supplément. D'accord? Ensuite, je comprends pas ce qu'elle m'a sorti. Oui, apparemment j'ai un épargne par rapport chez LCL, tout ça. J'ai un épargne à LCL. Je savais pas. Parce que LCL, on avait bloqué exprès parce que je n'étais plus chez LCL. Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, l'argent que je pensais qu'elle mettait sur mon compte, Brad, elle le met sur le compte LCL. Donc elle a tout mélangé, c'est du n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Je pense même, je vais peut-être même changer de curateur pour vous dire la vérité. Voilà, ça risque d'être compliqué, mais si c'est comme ça, je veux pas m'amuser comme ça avec les gens à bloquer, à débloquer les comptes. Tout ça, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de machin. Certes, il y a des choses que je veux, je peux me les acheter. Dès que je peux, je le fais. Il n'y a pas de problème. Mais par rapport à la bouffe, c'est le plus important. Je préfère encore. Voilà. Là, j'ai tout ce qui est fait, tout ça, ça devrait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais, enfin, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est un peu compliqué aussi. Par exemple, ne serait-ce que pour manger, là, pour les fêtes, ça va être très très compliqué. Ma curatrice est un peu spéciale. Hein. Elle est un peu spéciale. Et la curatrice n'a pas fait grand-chose. La seule personne qui a fait beaucoup de choses, c'est ma belle-sœur. Je tiens à vous le dire, ma belle-sœur, elle a bougé. Alors que ma curatrice, qui est censée m'aider, qui est censée machin, elle a absolument pas fait grand-chose. Elle est venue, certes, pour voir l'état de l'appartement, tout ça, mais certes, elle a pas fait grand-chose. Je devais l'argent. Soi-disant, elle m'a donné de l'argent pour machin et tout. Et au final, l'argent, j'en ai eu besoin parce que j'ai eu besoin de manger tout ça. J'étais bien obligée. Là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est quoi cette nana? C'est bientôt les fêtes. Elle revient pas avant, je sais pas quand. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Faut arrêter. Elle m'a dit sur mon message, oui, par rapport aux fêtes de fin d'année, faudra débloquer LCL alors qu'on a bloqué LCL pour pas avoir de problème. Si elle m'a mis l'argent sur le compte LCL et pas sur le compte Brett, comme elle m'a dit, comme elle a commencé à me répéter pendant des années, c'est pas cool. Parce que moi, j'ai toujours cru que l'argent était sur le compte LCL, le compte Brett, pas le compte LCL. Donc si elle commence à mentir, c'est pas terrible. Voilà. Là, il est 13h02. On est dimanche. Je suis un peu sur les nerfs depuis le début du week-end, j'ai à vous le dire, voilà. Ça m'a pris un peu la tête. Plus autre chose, mais voilà. C'est plus au niveau de la curatrice, là, c'est n'importe quoi. Je comprends pas.